Je dis alors, je vous préviens, madame. Moi, je suis sagittaire et dans mon horoscope, je déteste les gosses. Alors, si vous voulez pas qu'il lui arrive malheur, enlevez-le vite de moi. Surtout que là, en ce moment, j'ai un carré de Mars, je vous dis pas. Terrorisée, elle est partie. Alors, moi, j'ai terminé mon plat et puis j'ai mangé mon carré de Mars que j'avais en effet dans la poche. Vous savez, les petites barres de Mars là qui sont du mat, paisibles, et j'ai réfléchi sur. Justement sur cette notion de déterminisme et de fatalité, et je me suis dit la divination est une chose merveilleuse, l'ésotérisme est une chose merveilleuse, mais je ferai pas d'astrologie. Oui, c'est gentil, on peut, si on en a envie, on n'est pas obligé. Je suis le boss, bon, on n'est pas obligé de me cirer les pompes non plus à chaque fois. Mais enfin, si ça a fait marrer, on peut me le faire savoir, ça me fait plaisir. Quelqu'un par contre qui va nous faire plaisir, et là on est tranquille, on sait qu'il va nous faire plaisir. Dès qu'il aura sorti sa guitare. Ah non, t'es sur bande ou t'es sur guitare ? Guitare. Sur guitare. Alors donc tu vas chercher la guitare. Donc dès qu'il aura sorti sa guitare, il est auteur, compositeur, interprète. Il est également quelqu'un qui a écrit un poème sur le chirurgien qui m'a sauvé la vie, ce qui évidemment m'est allé droit au cœur. Il est allé droit au chirurgien aussi. Pierre Lordonois. Pour ces yeux qui m'ont fait des ailes. Quand jeune, je volais à peine, encore ni homme ni rebelle, rompant mes amarres et mes chaînes. Pour ces yeux qui m'ont arraché à mon premier amour d'enfant, et de ces ailes j'ai gardé pour prendre le vol suivant. Jetez vos foulards et vos voiles. Votre regard n'a rien d'égal, Dieu n'y trouvera rien d'immoral. Vous êtes femme, vous êtes étoile. Pour ces yeux qui m'ont fait vibrer dans un séisme de sentiments, en me rendant démesuré, indestructible dans le temps. Pour ces yeux qui m'ont balayé d'un coup d'adieu sur un trottoir, quand les rêves se sont ridés sans le livre digne d'un espoir. Jetez vos foulards et vos voiles, votre regard n'a rien d'égal, Dieu n'y trouvera rien d'immoral. Vous êtes femme, vous êtes étoile. Et pour ces yeux qui m'ont offert, et pour ces yeux qui m'ont offert, l'au-delà et l'imaginaire, du corps ce qui est derrière, tout le mystère de l'univers. Pour tous ces yeux qui, de passage, une minute m'ont donné l'impression de voir des images et tant de déserts s'effacer. Jetez vos foulards et vos voiles, votre regard n'a rien d'égal, Dieu n'y trouvera rien d'immoral. Vous êtes femme, vous êtes étoile. Pour ces yeux qui ne m'ont jamais vu, aveuglés par d'autres soleils, de reflets jusqu'à moi venus, s'échouèrent de nuit dans mon sommeil. Et pour ces yeux trop jeunes d'âge, collés à la vitre des nues, j'ai survolé tant de mirages, d'être à la fin au début. Jetez vos foulards et vos voiles, votre regard n'a rien d'égal, Dieu n'y trouvera rien d'immoral. Vous êtes femme, vous êtes étoile.
pour ces yeux qui se sont fermés, cousus au fil noir de vos cils, sous la poussière de nuit tombée, voile des drames, des idylles. Pour ces yeux qui entrent mon cœur dans les eaux profondes du charme, me font miroiter les couleurs de l'arc-en-ciel du jaune opale. Jetez vos foulards et vos voiles, votre regard n'a rien d'égal, Dieu n'y trouvera rien d'immoral. Vous êtes femme, vous êtes étoile. Pour ces yeux qui m'ont crucifié, les bras en croix sur une couche, amant d'un jour d'éternité, je n'oublierai jamais leur bouche. Pour ces yeux qui m'ont grand ouvert les portes de la voie lactée, ces paradis même en enfer, je les ai tous bien aimés. Je les ai tous bien aimés, ces paradis même en enfer. Je les ai tous bien aimés, ces yeux de femme, ces yeux de fée, ces yeux de femme, ces yeux de fée, ces yeux de femme. Merci Pierre et... Oh là, qu'est-ce qu'il est grand. Vous avez remarqué ça? C'est vrai, c'est aussi un grand poète, mais c'est un poète grand. Dans mon propos, je compte sur les anciens pour l'expliquer au nouveau. Pour s'exercer au goût, il y a du coca. Oui. Et histoire de se blinder la bouche, ça dépend où vous allez manger après, après le... Vous allez souper après le spectacle. Évidemment, il y a des endroits où il vaut mieux prendre un ou deux coca avant. Il y en a qui prennent du pastis avant, c'est bien aussi pour se... Pour se brûler le palais, ça, je dois dire que le hors-d'œuvre qui résiste au pastis, je le salue bien. Bon. En général, ça se réveille au plat. Au fromage, on est en pleine forme. Et zut, il arrive la tarte tatin trop caramélisée. Et flûte. On aurait mieux fait de garder le pastis pour la fin. Bon, mais comme quoi, on ne peut pas toujours prévoir. Donc, les boissons, les cartes de visite, eh ben, c'est merveilleux. Moi, pendant ce temps-là, je vais speeder comme une malade pour mettre les derniers réglages au point pour le spectacle de seconde partie, parce que vous savez, vous êtes venu d'ailleurs pour ça, vous savez qu'en seconde partie, c'est Stéphane Rieu. Non, c'est pas grave. J'ai reculé le prix, j'ai reculé le pied. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Derrière, ça fait trembler. J'ai lu, t'es bien assez fou. Tu sais, mon dernier truc là. Fatigué. C'est ce que je fais. Ça se tournait la caméra pendant un moment. C'est chut, mal. Alors, tous ceux qui passent là, alors ça permet d'avoir. Et sur le truc, j'ai. J'ai tout l'entraque qui est filmé. J'ai 4 heures. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'est aussi divers que varié. Cette diversité à laquelle nous allons. Pardon. Cette diversité à laquelle nous allons.
Tu m'as bien écouté. Voilà, mais justement, ici, c'est pas tout à l'heure. C'est ça qui est merveilleux. Non, 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 non
qui est derrière. Je crois que c'est le seul air. Elle était vraiment, je sais pas pourquoi je dis ça. On peut dire que c'était un public, mais c'est pas qu'elle a dit ça. C'est pas ouvert le crâne, monsieur. Qui s'est ouvert le crâne, c'est bien. Il n'est pas descendre, et c'était absolument pas. Il fait un accord avec le fond sur les notes, et c'est un ancien piano en dessous des notes. Il y a une. Regardez-moi cette cravate. Non, mais je veux lui dire. Qu'il est soigneusement plié à l'envers. Que l'on croirait qu'il l'a piqué à sa mère. Et puis avec les 3 gigaoctets de mémoire de l'ordinateur. Bon, vous allez me dire, quand même, c'est ça. C'est parfait, il n'y aura pas de gigaoctets. Non, tu connais la maison de la poésie? Non, c'est ça, 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 c'est ça,
Alors lui, il a pris sa tête, mais c'est dans son téléphone qui joue. Et qui fait chercher à l'intérieur. Pas comme ça, tu sais. Et une fois que ça, il est déjà en compteur, comme ça. Il l'avait ouvert, il l'avait ouvert, il disait. Et c'est très bon, regardez. Et donc, il lisait son texte sur scène. Tu n'as pas essayé d'être comme ça là-bas, non? Bon, des oiseaux comme ça, ils n'auraient plus de grand famille. C'est bon. C'est Stéphane qui me demandait. 64, t'es gaoté, je m'excuse. Le jour. Non, plus 16 plus 64. Ils ont compté ce truc qu'elles ont démontré. Donc ceux qui non, pas vous résistant, vous pensez qu'il fait évidemment, qui est mort, lorsqu'il monte sur scène, ça marche tout seul. Maintenant, pour la victoire, ils ont tous les deux délégués. Ah non, mais surtout, comment vous faites pour que l'auditoire recueilli qui peut vous écouter est capable de dire ça? Je fais gaffe d'être sérieux. Ah non, je parle de payez pas pour les gars. Moi, je suis crédible. Non, je vais faire ça. Ah, moi non plus. J'ai versé avec la caisse. La caisse, c'est Veuillez m'excuser. Mince, pas du tout, vous me laissez passer. Tu parles des...